Bonjour, je suis Federico Bertolani et je suis un metteur en scène italien de Turku in Italia di Rossini. Et bien, c'est la première fois que je travaille en France et je suis très heureuse parce que je pense que la culture théâtrale française, c'est très similaire à l'italienne et nous pouvons faire plus de choses ensemble. Et je pense qu'ici, notre théâtre, notre culture, notre opéra, il peut grandir avec des collaborations de l'Italie avec la France. Il est en collaboration avec le théâtre de Treviso, théâtre de Ferrara et Metz. Et après, elle marche à Piacenza et à Ravenna. C'est la première fois que la pièce est jouée avec votre mise en scène. Oui, sa collaboration, c'est la première fois que je fais la mise en scène de Turku in Italia. Et bien, je la connais, mais pas trop bien parce que c'est pas l'opéra plus importante de Rossini. Et pouvons dire qu'en Italie, il est considéré un peu un Rossini mineur. Mais bien, je dois dire que j'ai couvert un Rossini très moderne parce que le livret est écrit da Felice Romani, qui sera l'auteur des livrets successifs de Donizetti, Verdi aussi, et il y a déjà une modernité. Alors, nous pouvons dire que la chose plus intéressante dans cet opéra de Rossini, c'est qu'il n'y a pas seulement les buffo absolu des autres comédies de Rossini, mais ici, nous avons un peu de pathétisme, un peu de comédie bourgeoise, pouvons dire, antelittéralement bien, mais pouvons dire ici. Sa modernité, alors, j'ai dû rechercher dans l'imaginaire collectif italien une période historique où Napoli, parce que se développe à Napoli l'histoire, et bien, j'ai cherché une période où Napoli, c'est pas la Napoli des mafias, des camorra, des violences, mais une Napoli heureux. Et alors je suis allé, je marchais arrière et bien j'ai trouvé que la Naples plus heureuse, c'est la Naples des années 50. 50, c'est correct, 50, ok? Et c'est la Napoli de la grande comédie italienne de Sica, le néoréalisme, mais pas le néoréalisme dramatique, mais la comédie de néoréalisme. Alors, j'ai fait une mise en scène qu'il y a des petites choses qu'il va à citer. Sur la scène, il y a le chœur, ok? Et après, il y a... attention, Fiorilla, c'est la protagoniste, les Turcs. Après, Don Geronio, c'est l'épouse de Fiorilla. Don Narciso, Zaida, Albazar et le poète. Ils sont sept personnages principaux. Bien, après, j'ai choisi de prendre quatre hommes et deux femmes, quatre garçons et deux filles pour la figuration. Et qu'il m'a aidé à créer des situations amusantes.
Je ne sais pas si ça peut dire plus la chose, mais bien. Il faut dire une autre chose que Rossini et Romani, ils parlent dans le livre, dans la partition, ils parlent de. Il y a un peuple de gitans. Mais bien, avec ma mise en scène, ce n'est pas possible qu'il y ait des gitans à Naples, parce que. C'est pas dans les années 50, la conception que nous avons des gitans, c'est différent de la conception qu'il y a Rossini des gitans. Alors, j'ai fait une réflexion et au fin, vous voudrez sur la scène que les gitans ne sont pas gitans, mais sont les petits peuples napolitains. Parce que la culture italienne, sur, je pense, européenne aussi, dans les années 50, il a toujours. Penser que la vitalité, la joie, ils viennent dans les petits peuples. Et bien, alors vous verrez sa chose, et pour faire mieux regarder sa chose, j'ai voulu avoir 13 enfants de figuration. Bien, si vous connaissez un peu le cinéma italien, il y a Chucha. De Pasolini, qui est une série, là de Di Biciclette, de Sica. Et il y a toujours des petits enfants qui font la vitalité de la rue de Naples, de la ville de la rue de Naples. Musicale donc qui est associée à la pièce n'a pas été modifiée, c'est la partition telle que Rossini l'avait écrite. Bien, pour sa partition, c'est pas facile. Alors, je crois que sur cet argument, le chef d'orchestre, c'est plus il a plus d'informations de moi, mais je sais sûrement que nous avons le théâtre et le chef d'orchestre et moi aussi. On va utiliser la partition avec une révision critique qui a été faite par Rossini Festival di Pesaro. Il a fait des recherches sur cet festival. Il est dédié à Rossini, bien. Il a fait des recherches, il a trouvé de nouveaux manuscrits, de nouvelles choses. Et la partition que nous faisons ici, c'est la partition de la révision critique qu'il a fait Rossini Opera Festival. Couleurs, il s'amuse beaucoup, je pense, parce qu'il y a une comédie. Mais comme j'ai déjà dit, il y a des moments où la comédie lasse son lieu, la comédie lasse son espace, abandonne, donne son espace à un peu de pathétisme. Ok. Et y a plusieurs tableaux qui sont mis en scène ou ça se passe toujours dans le même lieu? Ah, bien. Alors, ça, c'est pas facile pour moi en italien, en français, expliquer sa chose. Bien, alors, pour le décor, je n'aime pas faire des décors naturalistes. Je veux des décors symboliques. Ok. Et la chose qui pour moi c'est très intéressante de lecture en Italie. Ils sont deux choses. La première chose, c'est une histoire totalement napolitaine. Bien, nous pouvons dire tout court, c'est une histoire italienne. Ok. Et alors, il fait mettre en scène la ville de Napoli. Ok. Et la deuxième chose, c'est que dans cette histoire, tous les personnages, il va à chercher tous les jours
Geronio il cherche Fiorilla, Fiorilla cherche le Turco cherche Fiorilla, après Zaida cherche le Turco. Les poètes, ils cherchent toujours tous les personnages parce qu'ils viennent à chercher une sujette pour un drame. Et alors, avec la scénographe, nous avons réfléchi, 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 et après, sont juste à une conclusion que la chose mieux est avoir une scénographie qui toujours il se bouge. Ça bouge. Il toujours ça bouge et il va à pas la vérité naturalistique, ok, mais il va à faire un symbole des petites rues de Napoli, vicoli napoletani. Où, la gens, où il y a toujours beaucoup de gens qui se cherchent, qui parlent, qui grillent. Et alors, vous verrez une scénographie pas fixe. Toujours il y a des mouvementations, des manœuvres, des mouvementations, des choses qui changent. Il était très bien, le décor dans ces plateaux, dans ces théâtres, parce que ce projet, il naît avec une collaboration avec l'Accademia Belle Arti Venezia. Le professeur de cet étudiant, il connaît bien ce théâtre parce qu'il a déjà travaillé ici. Alors nous avons étudié le décor bien pour ce plateau. C'est important en plus avec l'actualité qui se passe aujourd'hui qu'il y ait encore du spectacle, que le spectacle puisse poursuivre. Je pense que le spectacle il doit suivre. Si j'ai entendu bien la demande. Et les jours que nous avons vus, je dis nous parce qu'il n'y a pas France, Italie, Allemagne. Je pense nous avons eu une attaque. Attaque, je ne sais pas si c'est la parole correcte. Bien, les jours après, je dois faire une répétition ici. Et les premières pensées que j'ai eues, bien, je peux appeler le théâtre et dire, bien, aujourd'hui, ne travaille pas. L'éduction était, non, il faut travailler. Parce que je pense que dans le travail, il y a deux choses. Dans le travail en théâtre, parce que ces fois, il est touché un théâtre. Ok, alors il faut travailler en théâtre. Les premières motivations est parce que nous, il faut que nous marchions avant. Ok, et pour marcher avant, je pense que la première chose que nous avons, c'est notre culture. Et le théâtre, c'est culture. Ok, première chose. La deuxième chose, je pense que les douleurs, il va affronter avec la collectivité des collègues, des personnes qui travaillent avec toi. Bien, le problème c'est que nous faisons la répétition d'une opéra comique, très comique. Alors, pour le chœur, pour les solistes, c'est pas facile faire sa chose. Mais avant la répétition, j'ai parlé, bien parce que c'est une répétition de mise en scène, je suis le chef de la répétition de mise en scène et je pense que quelqu'un il doit dire quelque chose, c'est pas possible de faire rien. Il faut dire, bien, j'ai expliqué mon motivation que j'ai dit avant à vous et j'ai vu que tout le monde il est à la magie du théâtre, il a travaillé bien et quand nous avons terminé la répétition, il est plus fort. Parce que la culture, pour moi, la culture européenne, ok, bien, je pense que toutes les cultures, il y a la même qualité. Je ne veux pas dire, la culture européenne, c'est important. Mais pour nous, qui sommes européens, savoir d'avoir notre culture comme armature, c'est bien.